Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. Le président mauritanien achève sa visite de la ville de Ouagadougou après la supervision de nombreuses inaugurations relatives à divers secteurs. Deux syndicats de l'éducation et de la santé annoncent l'entame d'une grève le jeudi prochain, le 27 avril courant. Le poète et lettré mauritanien Nadji Mohamed Limam fustige l'absence du rôle des maisons d'édition en Mauritanie, affirmant que la poésie est offerte et ne se vend pas. Bonsoir et merci de nous avoir choisi pour cette nouvelle page d'information. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a achevé sa visite dans la capitale économique du pays, Ouagadougou, au cours de laquelle il a supervisé l'inauguration de certaines infrastructures sanitaires et sociales, dont un centre national des spécialités médicales. À cette occasion, des membres du gouvernement d'Ouagadougou et des élus de Ouagadougou se sont félicités des réalisations faites en Mauritanie ces dernières années. Après le fracas de part du trio de ses partis fondateurs, à savoir El Moustaqbel, El Mohamed Ould Bourbous et le Rassemblement pour la Mauritanie RPM en français tamam en arabe, la coalition du consensus national investit de nouveau la scène politique pour soutenir les révisions constitutionnelles à la faveur du ralliement de deux nouveaux arrivants. En l'occurrence, les partis Hammam et l'Union de la Jeunesse démocratique. Un reportage de Mohamed Yahya Ould Abdeloudid. Composé des partis La Nouvelle Génération, le Parti Mauritanien pour la Réforme et l'Égalité PMRE en français Hammam en arabe et l'Union de la Jeunesse démocratique, la coalition du consensus national annonce dans une conférence de presse son soutien au référendum prévu en juillet prochain portant sur les révisions de la Constitution mauritanienne de 1991. Le président en exercice de la coalition, président du parti de la nouvelle génération, Sidi Mohamed Ould Mohamed, a affirmé que le regroupement de ces trois partis dans un cadre politique commun leur permettra d'entrer dans l'arène politique par sa grande porte en vue de soutenir le référendum populaire visant à faire adopter les modifications constitutionnelles en application des réformes issues des résolutions du dialogue national. Pour sa part, le président de Hammam, El Mounir Ould Elbah, a indiqué que l'objectif de la création de la coalition est d'unifier les rangs des partis qui en sont membres, afin qu'ils jouent le rôle qui leur a été imparti sur la scène politique en leur qualité de formation de l'opposition pro-dialogue. Enfin, quant au président de l'Union de la Jeunesse démocratique, Jedoul Ahmed, il a fait part de sa joie à l'occasion du retour de la coalition du consensus national à l'action politique à la faveur de la campagne pour le oui aux révisions constitutionnelles envisagées par le pouvoir mauritanien, conformément aux résolutions issues du dialogue national inclusif. Deux partis fondateurs de la coalition du consensus national, aux côtés du parti de la nouvelle génération qui y est resté, se sont auparavant, il s'agit de Moustaqbel, El Mohamed Ould Bourbous, et du Rassemblement pour la Mauritanie, RPM en français, Temam en arabe. Deux syndicats nationaux, l'un des enseignants et l'autre de la santé publique, ont annoncé dans un communiqué conjoint leur intention d'entamer une grève jeudi prochain, 27 avril courant. Les organisations des travailleurs en question affirment que la raison de ce mouvement est le protocole d'accord signé en 2012 avec le ministère de l'Éducation nationale, demeurant depuis lors lettre morte. Cette année, le thème universel de la Journée mondiale contre le paludisme, qui est en finir définitivement avec le paludisme, traduit la volonté des États membres de l'OMS d'intensifier la lutte dans cette période conduisant au 25 avril. L'OMS oriente les projecteurs sur la prévention, une stratégie cruciale pour réduire l'impact de cette maladie qui continue de faire plus de 400 000 morts par an
ans. Depuis 2000, la prévention a joué un rôle important pour faire reculer le nombre des cas et des décès selon le rapport 2016 de l'OMS en Mauritanie. Le département de la santé a solennellement marqué l'événement, compte rendu Fofana Issa. Cette journée aura pour effet de braquer les projecteurs sur le paludisme et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement. La pathologie reste à ce jour une priorité mondiale et régionale car elle continue de faire plus de 400 000 morts par an à travers le monde. Le thème évocateur retenu cette année, et je cite, « En finir avec le palu illustre cette urgence et la nécessité d'accélérer et de consolider les efforts pour vaincre définitivement ce péril ». Les États ont donc décidé de mettre fin à cette épidémie d'ici l'échéance 2030. Cet engagement constitue d'ailleurs l'une des cibles des objectifs de développement durable. Cette journée constituera donc l'occasion de renouveler l'engagement politique et de continuer à investir en faveur de sa prévention et de son éradication. Le porte-parole de l'OMS nous fait un état des lieux sur notre continent qui reste le plus touché des cinq. 6 millions concernant les enfants de moins de 5 ans. Cette réalisation traduit la détermination exceptionnelle des individus, des familles et des communautés, ainsi que l'engagement des personnes de soins de santé, du personnel du soin de santé, des autorités nationales et des partenaires à changer de comportement, à intensifier la prévention qui s'avère d'un bon rapport co-efficacité et à assurer la prise en charge des patients. Effectivement, une stratégie essentielle de prévention du paludisme, caractérisée par l'intensification de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation de produits traitants à l'intérieur des habitations, ces habitudes et gestes à la base très simples, acquis pour la circonstance, ont cependant généré des résultats éloquents, comme le soutient l'OMS. Il ressort du rapport sur le paludisme dans le monde 2016 que depuis 5 ans, près du double de la population à risque de paludisme en Afrique subsaharienne dort sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Le pourcentage d'enfants soumis à un test de diagnostic rapide du paludisme a fortement augmenté de 70% et la proportion des femmes enceintes bénéficiant du traitement préventif intermittent pendant la grossesse a été multipliée par 5 dans 20 pays africains. L'année 2007 annonce l'avènement d'une nouvelle ère dans la prévention et le lancement d'une nouvelle arme contre cette maladie mortelle. En effet, l'OMS a annoncé que le tout premier vaccin contre le paludisme sera introduit dans le cadre du projet pilote exécuté en Afrique subsaharienne. Le vaccin appelé RTSS confère aux jeunes enfants une protection partielle contre le paludisme. Il est en cours d'évaluation et pourrait compléter l'ensemble des mesures de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme déjà recommandé par l'OMS. Il est à noter que cette phase expérimentale du nouveau vaccin représentera un jalon important dans la lutte contre cette pandémie. À Nouakchott, la cérémonie officielle a été notamment marquée par la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à des personnes et collectivités dans le besoin, suivie d'un exposé du département de la santé sur la stratégie mise en place par les pouvoirs publics à cet effet et les résultats escomptés à ce jour. Le poète et lettré mauritanien président du conseil des secrétaires de l'association DAD pour la créativité, la vulgarisation et la défense de la langue arabe, Najim Mohamed Limam, a fustigé l'absence d'imprimerie de maisons d'édition en Mauritanie. Lors d'une session organisée à Nouakchott, Najim Limam a affirmé posséder 6 recueils de poèmes et 3 romans qu'il n'est pas parvenu à faire imprimer et éditer, ajoutant qu'il ne vend pas ses textes car il considère que la poésie souffre et ne se vend pas. Dans son rapport produit cette semaine, le commissariat pour les réfugiés se dit préoccupé par l'afflux migratoire très dense constaté ces derniers mois sur le site d'Umbera situé entre le sud de la Mauritanie et le Mali et qui reçoit les réfugiés depuis la crise au nord Mali. Cette
inquiétude se justifie notamment par le fait que les dernières vagues de réfugiés enregistrées seraient issues des rangs de combattants séparatistes ayant déposé les armes au terme des derniers accords sur le nord Mali, mais qui restent néanmoins de potentiels éléments de trouble pouvant porter atteinte à la quiétude des autochtones qui les accueillent. Précision avec Fatim Fall. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a révélé dans son dernier rapport du lundi 24 avril que depuis septembre dernier, une nouvelle vague migratoire commençait à s'amplifier au Sahel et plus précisément entre les territoires du nord du Mali qui correspond au sud de la Mauritanie voisine. Ainsi, d'après les statistiques communiquées par le HCR, on dénombre à ce jour près de 5400 Maliens qui ont traversé les frontières entre les deux pays pour atteindre le camp de Mbera. Ce site accueille aujourd'hui quelque 50 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont une majorité de Maliens ayant fui les violences dans leur pays. Cet exode a été qualifié par le HCR de plus important afflux de réfugiés en provenance du nord de Mali depuis 2013. En effet, ce recensement est largement supérieur en nombre par rapport aux précédents déplacements. Cette dernière vague migratoire a fait naître des points de crispation et une certaine inquiétude au niveau du camp de Mbera, situé à la frontière avec le Mali. Depuis la signature de l'accord de paix de 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, la population du camp de Mbera, petite localité en Mauritanie, située à 40 km du Mali, s'inquiète du sort des réfugiés qui arrivent dans leur camp. D'après eux, une grande majorité de ces demandeurs d'asile sont d'anciens jeunes combattants issus des tribus guerrières du nord de Mali. C'est ce qui alimente leur crainte qu'un différend les pousse à reprendre les armes et s'attaquer aux populations locales. Un magazine littéraire édité par la Maison libanaise de la littérature a publié un dossier fourni relatif à divers points de la culture en Mauritanie et ont contribué des écrivains, blogueurs et journalistes mauritaniens qui se sont exprimés entre autres thèmes par rapport à la littérature, au cinéma, à la presse. La réputation de la ville de Boutilimite n'est plus à refaire. Il s'agit d'un centre de rayonnement scientifique, culturel, religieux et politique de renommée. Une grande lignée d'érudits, de saints, d'imams, de poètes, de lettrés, de guerriers et d'hommes politiques en sont issus, au point que l'histoire de cette mourapa se mêle à celle du pays si elle ne s'y confond pas. Reportage de Mamoudouba. Deux décennies, tel est l'âge de la création de la Mokrata de Boutilimite, dans la wilaya de Trarza, témoin de la naissance d'une nation. Le nom de la ville tient son origine d'une plante, précisément en herbe appelée Tilimite. Il s'agit donc de l'endroit où pousse cette herbe en abondance. Selon les historiens, la ville était à ses débuts un village scientifique soufi. Au XIIIe siècle de l'Égypte, soit le XIXe siècle de l'ère chrétienne, Boutilimite s'est caractérisé par une renaissance littéraire dont le rayonnement s'est étendu à des régions environnantes, en plus du rôle d'avant-garde que cette bourgade a eu à jouer jadis, à une époque où le pays avait en besoin un période de développement global, ce qui ne pouvait être sans la paix, la stabilité et la confrontation aux dangers extérieurs. La Mokrata fit le théâtre des tentatives de confrontation aux dangers extérieurs, en accueillant le premier congrès de concertation et de coordination en vue de préserver la paix, la coexistence pacifique et faire face aux razzias qui pullulait à l'époque. La nécessité d'un consensus sur le besoin impérieux d'une paix civile se faisait sentir. Certains affirment que Boutilimite était parmi les précurseurs à la résistance aux colonisateurs et consentait pour se faire d'énormes efforts, en dépit de critiques de la part certains sur l'étendue de ces efforts. Quoi qu'il en soit, la ville a laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire du pays, formant l'embryon qui donnera naissance à la nation mauritanienne et l'émergence d'une nouvelle élite composée exclusivement du fils du pays. C'était tout pour l'actualité, le rappel des titres. Le président mauritanien achève sa visite de la ville de Ouagadougou après la supervision de nombreuses inaugurations relatives à divers secteurs.
12 syndicats de l'éducation et de la santé annoncent l'entame d'une grève le jeudi prochain 27 avril courant. Le poète et lettré mauritanien Nadji Mohamed Limam fustige l'absence du rôle des maisons d'édition en Mauritanie, affirmant que la poésie est offerte et ne se vend pas. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur El Mourabitoum. Vous pouvez revoir cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. À bientôt.